Salut à tous, c'est XusCarter, aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur Star Wars The Old Republic. Et aujourd'hui on va faire une alerte qui est le savoir contre le pouvoir. Alors je viens d'apprendre qu'une excellente opportunité de recrutement se présente à nous, un individu dénommé Talos Drake, qui est aussi partenaire, il me semble, du guerrier Sith. Allez là-bas. Du calme, les amis. Je parie qu'il n'est pas question d'une attaque. Inutile de se disputer. Les Jedi sont généralement pondérés. Alors, que me vaut cette visite? Une perturbation dans la force? Oh, ou serait-ce plutôt l'appel séducteur du côté obscur? Ma réputation me précède. Vous m'envoyez ravi. Talos Drelic, à votre service. Bienvenue dans mon humble expédition. Je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien déterrer ici? La réponse est moins sinistre que vous l'imaginez. Ah bah, qu'est-ce que c'est la réponse? Nous étudions le temple de sacrifice, du moins ceux qui s'y rattachent. Tout bien réfléchi, je me rends compte que cela n'aide que peu ma cause. Un mécanisme conçu pour alimenter l'empereur Sith en énergie par le sacrifice d'êtres vivants. Il est hors d'usage depuis le combat contre Revan. À l'instar de l'Empire éternel, le temple fut créé par la volonté de l'empereur. Je suppose que sa technologie se base sur des éléments communs. Nous cherchons à déterrer des échantillons fonctionnels, mais les Massassi rendent l'entreprise dangereuse. Oh, pas grave, je m'en occupe. Excellente nouvelle! Voici les zones que nous devons atteindre. Je vous suis. Tout va bien? Alors, on va par là-bas à droite. Là, ça c'est clair. Bon, les communications, on s'en fout. Mais si je vais. Voilà, c'est par là. Tac, 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 tac. Parce que c'est ça. Alors, faut descendre par là-bas. Ah, mais c'est peut-être la zone, attends voir. En espérant que je puisse. Non. Tout va bien? Là, il y a un assassin, c'est pas évident qu'il faille se le faire. Historiques sont en complète. Ça doit faire mal. Quoi qu'il en soit, cette investigation devra attendre un autre moment. Poursuivons notre mission actuelle. Ensuite,
dans le village jusque-là, j'ai compris. C'est où sont les artefacts? Sur ces trucs. Ah, peut-être là. Ah, bah voilà. Vieux de plusieurs siècles, ça doit faire mal. Et ma dernière.
ça va être sympa, j'en ai pas compris si un truc important là-dedans. Éléments qui ne concordent pas. C'est presque fini. J'ai identifié un dernier échantillon à déterrer. Attends, je suis où déjà moi? Oula, ça m'inspire pas confiance cet endroit. Alors pas du tout. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Nous devrions rentrer à... Je m'étonne que je me suis pas fait attaquer pendant le temps où j'étais là. Je n'ai pas participé à des fouilles aussi passionnantes depuis la mort de mon vieux maître. On ne s'ennuie jamais avec l'archéologie Sith, vous savez. Votre aide m'a été précieuse. Ces spécimens devraient amplement suffire à conduire les tests nécessaires. Sur l'honneur de la famille Drellic, je jure de trouver quelque chose qui en vaille la peine. Votre alliance a-t-elle besoin d'hommes instruits et passionnés? Bien sûr. Voilà qui sonne comme le groupe idéal avec qui frayer. Honnêtement, l'Empire n'est pas encore assez investi dans ce combat. Je vais amorcer les préparatifs pour quitter le système de Yavin sur le champ. Une aventure palpitante nous attend. Commandant, je voulais vous remercier d'avoir récemment recruté Talos Drellic et vous féliciter pour votre perspicacité. En vérité, nous avons vraiment besoin d'un individu plus spécialisé dans les savoirs anciens et dans les technologies plus orientées vers la Force. Malheureusement, ce domaine échappe à mes compétences. Et compte tenu que ce genre de technologie est à la base de tellement de choses dans l'Empire Éternel, c'est un véritable obstacle pour nous. Toutefois, les connaissances du Docteur Drellic ont commencé à faire tomber ces barrières qui nous empêchent de progresser. Et je me réjouis des avancées inévitables qui ne tarderont pas à suivre. En fait,
Il était justement en train de me parler de sa thèse de doctorat. Une analyse approfondie d'une race ancienne appelée Dashan. C'est fascinant. Apparemment, ces créatures pouvaient siphonner et consommer l'essence de la Force. Imaginez ce qu'il se passerait si les mécanismes à l'origine de cette capacité pouvaient être correctement étudiés et compris. Pourrions-nous créer une sorte de plateforme biotechnologique fixe, ou même portable? Une sorte de champ d'altération ou de consommation de Force? Ou pourquoi pas une plateforme de lancement d'ogives ou d'explosives? Cette myriade de possibilités est étourdissante. J'ai besoin d'être seul avec mes pensées. Il faut que je capture toute cette inspiration. Si tu le dis, si tu le dis.